welcome to the Jean-Baptiste Show. Now, come on. Quel heure il est? Oh les amis, vous êtes là. À vous tomber à pic, on est un petit peu en retard. On avait joué et on va faire un épisode spécial sur PlayStation. On a pu tester Horizon, on va vous parler aussi de The Last Guardian. Et on va également vous parler de Détroit et de la VR. Voilà, je vous en dis pas plus parce que là on est un tout petit peu en retard. Et voilà les amis, on a enfin pu tester Horizon Zero Dawn qui est prévu sur PS4 pour mars 2017. Donc c'est super cool d'avoir déjà pu mettre la main dessus. On nous a laissé jouer dans un petit environnement assez limité, pas d'histoire, seulement de l'exploration. Et c'était cool, la chasse est bien, il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de possibilités. On ressent vraiment tout de suite ce gros feeling de chasseur et l'environnement post-apocalyptique est vraiment réussi. Après, que dire, c'était vraiment bon graphiquement, la direction artistique est vraiment ouf, les musiques sont ouf, le sound design est vraiment excellent. Il y a plein de possibilités comme par exemple le fait de pouvoir hacker les monstres pour les monter ou pour qu'ils nous aident. Il y a aussi de la vie, il n'y a pas que des robots, donc c'était assez intéressant. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus parce que le solo n'était pas autorisé, on était seulement limité à cette zone. Donc c'est bien, ça sent pas mal le farm comme dans tous les open world, j'espère que ça sera pas répétitif, mais voilà, on verra à la sortie. Et voilà les amis, on sort tout juste de The Last Guardian et on a enfin pu ne pas y jouer puisqu'il est prévu pour le 7 décembre et malheureusement on a dû regarder quelqu'un y jouer, on peut pas mettre la main dessus encore. C'est très bizarre. En tout cas je dois dire que c'est super beau, l'ambiance est vraiment réussie, encore une fois les musiques sont excellentes. On ressent vraiment la relation qu'il y a entre le gamin et son animal, on a pu voir des puzzles intéressants. Il y a un gros feeling de Shadow of the Colossus, mais c'est bizarre, je ne sais pas y jouer encore. J'ai vu aussi des gros drops de framerate, donc je me pose des questions, d'autant qu'il devait tourner sur PS4 Pro, c'est assez bizarre, surtout qu'il sort dans un mois. L'ambiance a l'air vraiment cool, à voir s'il sera aussi intéressant que Shadow of the Colossus et s'il sera pas répétitif. Mais en tout cas, ça sort bon, mais ne vous jetez pas dessus, attendez de voir la sortie, parce que là, c'est vraiment bizarre qu'on puisse pas y jouer alors qu'on a pu jouer à Horizon, qui est prévu pour mars 2017. Et voilà les amis, on sort tout juste de Détroit, alors malheureusement on n'a pas pu y jouer non plus, il n'y a pas de date de sortie, c'est prévu sur PS4 et on a pu voir quelqu'un y jouer, donc c'était du vrai gameplay. Et déjà la première chose que je dois vous dire, c'est que c'est graphiquement, c'est juste complètement ouf, c'est magnifique, le jeu est super beau, ça tournait sur PS4 Pro, pas sur PS4, donc je sais pas quoi ça ressemblera sur PS4. La mise en scène était complètement dingue, j'ai eu des frissons pendant la présentation, les choix ont l'air vraiment ouf, on nous a fait deux fois la démo, donc une fois en rushant, une fois en prenant le temps, prendre des décisions qui sont plus difficiles à prendre et qui peut-être aboutissent sur une meilleure fin. Mais voilà, c'était vraiment cool, on a vu plein de choses, ça ressemble énormément à Heavy Rain puisque c'est Quantic Dream qui fait le jeu, ça se rapproche plus d'Heavy Rain que de Beyond Two Souls. Mais voilà, il y a une ambiance de folie, les musiques, la mise en scène, les graphismes, vraiment on est à fond dedans. Sur tout ce que j'ai eu sur Sony, c'est à mon avis ce qui sent le plus bon. Le seul petit truc, c'est qu'il faudra voir comment ça tourne sur PS4, mais j'espère juste qu'il n'y aura pas les petits problèmes de rythme qu'on a eu sur Heavy Rain. En tout cas, ça a l'air bon, hâte d'avoir une date de sortie et hâte de mettre les mains dessus.
Et voilà les amis, dernier petit truc de cette vidéo sur PlayStation, le PlayStation VR. Alors on l'a essayé, on l'avait déjà essayé l'année dernière, mais j'ai pu essayer de nouveaux jeux. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire techniquement? Déjà, il est deux fois moins cher que ses concurrents, donc l'Oculus et le HTC Vive. C'est pas mal, et en plus de ça, pour 800€, vous avez le casque tout équipé avec une console pour jouer directement. Donc ça en fait le casque le plus accessible dans la réalité virtuelle. Après, il faut savoir aussi qu'il est pas mal en retard par rapport à ses concurrents, puisqu'il propose de la Full HD, alors que ses concurrents sont en 1200p, donc il y a un peu moins de pixels, mais que lui, par contre, il est en 120Hz, et ses concurrents sont en 90Hz. Et je peux vous dire que ça fait une différence énorme, parce que j'ai jamais été malade avec ce casque. En plus de ça, il est plus joli, même ça change rien, mais surtout, il est plus agréable, plus simple à régler, plus simple à installer. Franchement, PlayStation a vraiment joué la carte de l'accessibilité sur celui-là, et je dois dire que pour l'instant, c'est le casque que je trouve le plus intéressant, même s'il a un petit retard technique, du fait qu'il est accessible, mais surtout par ses jeux, parce que je trouve que c'est le seul casque qui actuellement est en train de proposer des jeux qui essayent de faire vraiment quelque chose avec la VR. Donc l'année dernière, j'avais essayé Rigs, qui est un jeu compétitif en arène où on joue des mechas, donc il y a une excellente rejouabilité. Je pense que c'est la meilleure expérience VR que j'ai eue, parce que voilà, il y a une rejouabilité de ouf, on peut jouer en multijoueur, il y a plein de modes de jeu, ça marche super bien. Et j'avais aussi pu essayer VR World, qui propose plusieurs petits jeux, notamment avec un braquage qui était vraiment bien. Et cette année, on a pu essayer Battlezone, qui est un jeu de char très inspiré de Tron, donc une grosse rejouabilité, la campagne a l'air vraiment complète, les missions ont l'air variées, mais surtout le gros plus que j'ai essayé, c'est Farpoint, qui n'est pas encore sorti, donc c'est le seul de tous ces jeux qui n'est pas encore sorti, et c'était vraiment excellent. Donc c'est un FPS qui se passe sur une planète, on aurait dit Mars, où on affronte des extraterrestres, il y a l'air d'avoir une histoire qui est vraiment sympa, et la particularité c'est qu'il y a un accessoire qui s'ajoute aux deux PS Move pour que vous puissiez avoir une vraie arme entre les mains, et je veux dire que l'immersion était ouf, déjà visuellement c'était super joli, le fait de voir son propre corps et de voir son arme dans le jeu et de la bouger dans la réalité et de la voir vraiment dans le jeu, c'était excellent, il y avait vraiment possibilité de mettre l'arme à l'épaule pour être plus précis. Donc voilà, je trouve qu'on n'est pas, on n'a pas encore de killer app, de gros jeux qui justifient vraiment l'achat de la VR, parce que la VR reste quand même assez chère, surtout que derrière souvent les jeux sont entre 30€ et 60€. Mais je trouve que Sony propose quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont un casque accessible, pas trop cher, qui marche bien, qui pour moi était la meilleure expérience, qui rend pas malade, et en plus commence à avoir des jeux qui, s'ils continuent dans cette direction, pourraient devenir intéressants et justifier peut-être l'achat d'un casque et enfin ouvrir la VR au grand public. Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu, en tout cas sachez que ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer, c'était vraiment cool, c'est pas fini puisque très prochainement on fera un épisode spécialement sur les indés, et sur ce les amis, bah, je vais m'installer quelque part par ici et je vous donne rendez-vous au prochain jour.